Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui n'est pas des plus évidentes pour moi à tourner aujourd'hui pour pas mal de raisons. Mais avant toute chose et avant de commencer à discuter, je voulais vous souhaiter à toutes et à tous une très belle année 2021 qui, je l'espère, et c'est pas spécialement bien parti, sera mieux que l'année précédente et sera plus enthousiasmante. Je vous retrouve dans un décor différent, dans une ambiance un peu différente et pour cause, j'ai encore déménagé. Voilà. Dans mes dernières vidéos, je vous parlais justement de mon nouvel appartement et à quel point j'étais ravie de l'intégrer. Et il se trouve que j'ai vécu une rupture amoureuse ces derniers mois qui font que j'ai dû trouver un autre appart et que c'est pas le plus simple pour faire des vidéos, je vous avoue, que ce soit autant en termes de logistique qu'en morale, voilà, en gros. Mais doucement revient l'envie de partager et de faire du contenu, de faire des vidéos. J'ai pas mal d'idées, j'ai pas mal de projets pour les semaines à venir et les mois à venir qui, j'espère, se réaliseront. Et du coup, je me dis que vous partager tout ça peut me faire le plus grand bien et me ferait extrêmement plaisir. Alors, j'ai pas lu beaucoup en 2020. Il se trouve que j'ai lu, je crois, 19 livres. Donc, c'est pas énorme. Je vais pas spécialement faire un top 10 ou un top de mes lectures. Mais j'avais quand même envie de faire un bilan, de revenir un petit peu sur ce que j'avais lu avant de passer à autre chose pour 2021. Et donc, c'est Alexia, une de mes meilleures copines que j'embrasse fort, qui tient la chaîne La Télé d'Alexia, qui avait envie de faire un petit peu un format tag, un format plutôt catégorie. Et je me suis dit, pourquoi pas, on est déjà fin janvier, j'ai pas fait ma vidéo des meilleures lectures. Ça me permettrait de catégoriser un petit peu et de vous partager mes lectures de l'année, sachant que globalement, mes points lecture précédents les résument assez bien. Et vu que je n'ai pas lu beaucoup, je vous invite à aller les voir si vous voulez vraiment des avis précis sur chaque lecture. Un prochain arrive très bientôt puisque j'ai fini quelques livres dont j'aimerais vous parler un petit peu mieux et qui ne figure pas spécialement parmi les livres ici. Donc je me dis que ça pourrait être pas mal. Je crois qu'il y a une dizaine de catégories. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, il me semble que c'est ça. Et on va commencer tout de suite. Alors, je vais garder le meilleur pour la fin, évidemment. C'est quand même plus sympa, je trouve, avec une belle découverte. Alors, on va commencer par la belle découverte. American Gods de Neil Gaiman. Alors, Neil Gaiman, moi, je l'avais découvert avec d'autres titres, notamment Coraline, L'étrange vie de Nobody Owens, que je n'avais pas terminé, mais que j'avais beaucoup aimé de ce que j'en avais lu. Enfin, je sais pas, juste, je l'avais arrêté. Et j'avais lu De bons présages avec Terry Pratchett que j'avais adoré. Et donc là j'ai lu American Gods dans cette magnifique édition que j'aime beaucoup illustrée et qui m'avait été chaudement recommandée et je n'ai pas été déçue, j'ai beaucoup aimé cette lecture. J'en attendais peut-être un chouïa plus, en tout cas je pense que la VO n'a pas aidé à me sentir 100% plongée dedans. Donc je l'ai lu en anglais et en même temps en livre audio, donc il me manquait un tout petit peu d'immersion, je sais pas si vous voyez de laquelle je parle, mais j'ai beaucoup aimé. J'ai regardé le premier épisode de la série je crois, et il faudrait que je continue, j'ai bien aimé, mais c'était pas non plus voilà, j'ai bien aimé, mais pas au point de continuer. American Gods, ça raconte l'histoire d'un homme qui va sortir de prison et qui, au moment de sa sortie, apprend que sa femme est décédée dans un accident de voiture et notamment dans des circonstances un petit peu gênantes. Et il va se retrouver embauché par un type qu'il rencontre dans un avion et qui lui propose un emploi un petit peu spécial, un petit peu particulier. On est dans un univers où les nouveaux dieux prennent un petit peu la place des anciens dieux, les nouveaux dieux étant la mondialisation, les médias, je sais pas, le téléphone, ce genre de choses, qui prennent donc le dessus sur les anciens dieux que l'on connaît de la mythologie en général. Voilà, donc ça va être un peu ce combat entre les dieux et j'ai beaucoup aimé, c'était une belle découverte, franchement je suis ravie de l'avoir lu et j'ai juste envie de lire vraiment d'autres livres de Neil Gaiman, notamment aussi dans le côté graphique, Sandman, qui est un comics qui a été commencé dans les années 80-90 il me semble, fait partie de mes prochains achats. Ensuite, une meilleure suite, alors attendez, meilleure suite de lecture, j'hésitais entre deux et au final je suis partie sur L'Ascenseur Royal, la deuxième époque de Robin Hobb. Difficile pour moi de ne pas parler de Robin Hobb quand j'en lis, évidemment, donc de chez j'ai lu, que j'ai adoré, que j'avais beaucoup aimé. J'ai hésité avec le tome 2 de Fondation,
que j'ai aussi beaucoup beaucoup aimé, mais pas autant quand même que la suite de l'Assassin Royal, que j'ai trouvé formidable. Donc là, on est dans une suite qui se passe vraiment très longtemps après la première, puisqu'il y a le premier cycle de l'Assassin Royal, puis il y a les Aventuriers de la Mer, et là, on est sur un tome 1 du deuxième cycle. Et j'attends qu'une chose, c'est de pouvoir lire la suite très prochainement. Je pense d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, c'est ce que je ferai avec grand plaisir, parce que j'ai beaucoup aimé. Si je commence à vous parler un peu de ce cycle-là, ça va vous spoil, donc je vais me taire, je vais pas trop en parler, mais globalement, pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'Assassin Royal, on suit Fitz Chevalerie à partir de ses 7 ans, quand son grand-père maternel le ramène au château, puisqu'il s'agit d'un enfant bâtard du prince héritier, et que le grand-père maternel, qui est un paysan, en a marre et ramène son petit-fils donc au château, pour qu'il se fasse éduquer par son père, par sa famille paternelle. Voilà, on va suivre donc ce jeune garçon qui va devenir l'assassin du roi. Je vous en dis pas plus, j'ai déjà fait des vidéos sur l'assassin royal, c'est absolument formidable, donc je vous invite à commencer si vous ne l'avez pas lu, mais ça fait partie vraiment des meilleures suites, et la fin, j'ai trouvé la fin absolument géniale. Le début un petit peu plus laborieux pour me remettre en place dans la lecture, mais j'ai trouvé la fin super, très théâtrale, très cinéma, très, j'avais vraiment toute l'immersion et l'énergie en tête. Voilà, ça fait un peu un mélange incongru, mais vraiment très très bien. Et du coup, je vais passer à peut-être ma moins bonne lecture, comme ça je fais ça maintenant, puisqu'on reste dans le domaine de la fantasy. Je surveille l'heure en même temps, parce que je filme sur ma pause déjeuner. Ma moins bonne lecture, j'étais un petit peu déçue, c'est le seul livre que j'ai plutôt abandonné cette année. Il s'agit du Prieuré de l'Oranger, de Samantha Shannon. Que j'avais en papier, que j'ai lu aussi un peu en e-book en français. Je sais pas trop quoi penser, je l'ai pas terminé donc c'est difficile d'en parler. Juste, je n'ai pas du tout été accrochée. Alors, je dis pas que c'est une mauvaise lecture, j'ai pas eu de mauvaise lecture cette année en fait, à vrai dire. Il y en a juste une ou deux, donc il y a Le Prieuré de l'Oranger et Un cantique pour les Bowits, qui m'ont moins transportée. J'ai pas réussi à me plonger dedans, je pense que le moment de lecture jouait beaucoup. Et que chaque livre a peut-être sa place dans l'écosystème. Mais je vais trouver des livres. Mais voilà, je dirais que le livre n'a pas su me transporter. Et malgré le fait qu'on a eu beaucoup de remarques disant que c'était censé être un livre plutôt adulte, je trouve, du coup je m'attendais à de la fantasy adulte. Et en fait, le schéma fait quand même très young adulte, dans le sens où il y a vraiment le schéma initiatique du début, et peut-être que ça reste pas et tout, c'est vrai, mais c'est vrai que sur un roman de 900 pages ça durait quand même un petit peu, enfin, voilà, je sais pas, c'était pas le... je me sens gênée d'en parler parce que je sais que c'est un livre très 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 apprécié. Je dis pas que je le lirai jamais, et je l'avais lu, j'avais commencé avec Alexia justement, et elle l'a beaucoup aimé, mais je dis juste que c'est peut-être pas le livre vers lequel je vais aller spontanément en ce moment en fantasy. Ensuite, là, meilleure bande dessinée. Alors ça, super chouette. En décembre est sorti le tome 8, 9, je sais plus. Enfin bref, la nouvelle saison de Lou, qui s'appelle Sonata, de Julian Neal. On est dans un format beaucoup plus dense. On n'est plus sur un format de 48 pages. Je sais plus, 48 pages Lou c'était. Là on est sur 200 et quelques, je crois, il me semble. Avec beaucoup plus de texte, beaucoup plus d'images, beaucoup plus de textes, je sais pas, parce que ceci dit, le dernier tome en avait vraiment beaucoup. Mais vous voyez, voilà, il y a beaucoup plus de lignes de dialogue, il y a des nouveaux personnages. On suit Lou dans sa première année d'étudiante dans la ville de Tigre. Tigre avec un Y. Le parallèle avec Lyon qui m'a fait beaucoup, beaucoup sourire. Mais voilà, des planches que je trouve absolument magnifiques. Et j'ai beaucoup aimé ce personnage parce que là où je la trouvais absolument... un peu héroïne, un peu modèle quand j'étais au collège, et ben il se trouve qu'en grandissant elle a plein de défauts et d'aspérités et qu'elle n'est pas parfaite, et ça la rend d'autant plus crédible et d'autant plus humaine, et voilà, je la trouve formidable, c'est un personnage que j'aime beaucoup et que j'ai hâte de continuer de voir grandir et de voir faire des choix et de voir qu'est-ce qu'elle veut dans sa vie, parce qu'elle est complètement perdue, cette pauvre Lou. Elle sait pas trop où elle va, elle y va, elle prend juste les découvertes quand elles viennent, et bon, on va dire que c'est un peu la philosophie à laquelle j'essaie de me confronter aujourd'hui, et du coup ça me fait très plaisir de la voir grandir, puisque comme je vous l'avais dit dans une vidéo, moi je la suis depuis que je suis en 5e, où elle était elle-même
toute petite au collège. Du coup, de la voir grandir et de voir ce personnage évoluer, c'est absolument formidable. Ensuite, la meilleure relecture, puisque du coup j'ai fait une relecture cette année, elle est où là ? En fait, je pensais pas que c'était une relecture, je ne l'avais pas du tout envisagée comme telle, mais en le lisant, je suis quasi sûre de l'avoir déjà lu, notamment quand j'étais à la fac, j'ai dû l'emprunter et le lire comme ça. Il s'agit de Fin de partie de Samuel Beckett aux éditions de Minuit, fin de partie où on va suivre deux personnages, comment ils s'appellent ? Attendez que je retrouve... Ham et Clove, ouais c'est ça, deux personnages qui n'en peuvent plus, c'est la fin, ça va finir, c'est la première réplique, fini c'est fini, ça va finir, ça va peut-être finir, et voilà, ils attendent, et c'est je trouve que ce livre est bourré d'un drame interne qui est qui je trouve assez transcendant. En tout cas, de mon côté, ça m'a... c'est pas que ça m'a parlé, mais ça m'a beaucoup touchée, en tout cas. Et chaque réplique, j'ai dû annoter pas mal de pages. Il y en a beaucoup, genre « Pourquoi me gardes-tu ? Il n'y a personne d'autre. Il n'y a pas d'autre place. » C'est du théâtre de l'absurde. On peut penser que c'est compliqué de trouver du sens dans tout ça. Et en fait, le sens, c'est un peu aussi celui qu'on veut bien lui prêter. Et voilà, âme qui dit « On fait ce qu'on peut ». Clove lui répond, on a tort. C'est une de mes préférées. Vraiment, je l'adore. Et j'aimerais extrêmement voir cette pièce jouer au théâtre. Parce que je pense que ça pourrait bien me parler. Rien que de lire, ça me donne envie de le relire. Donc, si vous aimez le théâtre, si vous aimez le théâtre de l'absurde, si vous aimez Samuel Beckett, hein, si vous avez lu notamment En attendant Godot, je vous conseille Fin de partie. Là, j'ai un peu du mal à retrouver mes mots. J'en avais parlé vraiment dans une de mes dernières vidéos quand j'en avais parlé, mais en relecture, ça a été absolument formidable. Ensuite, un livre dont je lirai la suite, ce sera vraiment cette année le tome 2 de Silo, puisque j'avais adoré le premier de Hugo Wee. Donc dans Silo, on est dans un futur post-apocalyptique indéterminé aux États-Unis où on va suivre une communauté d'hommes et de femmes qui vivent retranchés dans un silo, un bunker sous terre qui fait une centaine d'étages et qui sont un peu confinés là-dedans. La société évolue dans cet écosystème-là jusqu'au jour où on va suivre le shérif, je ne sais plus comment il s'appelle, comment s'appelle ce monsieur ? Holston. En a marre, sa femme est sortie du silo et s'est, on va dire, jetée à la mort l'année précédente et lui, il n'en peut plus. Voilà, on le suit monter ses marches et elle se dirigeait vers un autre... voilà, il veut sortir, en gros. On va suivre aussi d'autres personnages tout au long du roman et des personnages vraiment très très chouettes que j'ai beaucoup aimé suivre. La fin m'a extrêmement touchée, enfin vraiment chaque passage, je les ai trouvés formidables, beaucoup de surprises, beaucoup de révélations. Et du coup, j'ai le tome 2 en ma possession qui s'appelle Origine et qui du coup revient sur le passé un petit peu de ça à travers plusieurs narrations d'après ce que j'ai pu comprendre, 2049, 2052, 2110. Voilà, pour vous donner à peu près une idée. On m'a dit qu'il était vraiment bien, qu'il donnait envie d'enchaîner avec le tome 3, mais comme c'est un gros pavé, pour l'instant je me le réserve encore un petit peu. Et on m'a aussi dit qu'il était assez déprimant et... qu'il fallait pas le lire spécialement quand on était complètement déprimé. Je me dis que le lire dans des meilleurs jours ne me fera pas de mal. Voilà. Ok, ensuite, j'en suis où ? Tac, tac, tac. Il me reste trois catégories à vous présenter. Je vais essayer de aller assez vite. Il me reste pas beaucoup de temps sur ma pause déjeuner. Un livre dont je ne sais pas trop quoi penser, Ravage de René Barjavel, que j'ai ramené chez mon papa. Ravage, on est pareil, dans un futur post-apocalyptique. Non, post-apo. Non, pas du tout. On est dans un futur qui devient post-apocalyptique. Voilà, on va suivre un personnage qui arrive à Paris pour un concours. Il passe un concours, je ne sais plus exactement de quoi, dans l'agriculture. Il me semble que c'est dans l'agriculture, quelque chose dans le style. Et qui veut aussi avoir ses résultats, notamment. Et tout ne va pas se passer comme prévu. Et tout son environnement autour de lui va changer, autour de lui et autour du monde, en fait. Et il va y avoir une espèce de communauté qui va se former pour fuir la ville de Paris. Je sais pas trop. C'était
C'est pas ce que j'ai préféré de René Barjavel. Moi, j'avais lu L'Enchanteur, que j'avais adoré, qui reprend le mythe arthurien. Là, on est quand même sur quelque chose d'assez spécial. J'ai trouvé, en fait, les personnages pas très attachants. Vraiment aucun d'entre eux. Du coup, j'ai adoré la partie environnement. J'ai adoré tout ce qui était description de la ville et de la société, qui m'a beaucoup rappelé 1984. Ma lecture, en tout cas. Mais j'avoue que les personnages et l'immersion n'étaient pas spécialement au rendez-vous. Donc, voilà. Je sais pas. Ensuite, un livre qui m'a le plus surpris, mais alors bien, vraiment, il s'agit de La fabrique du consommateur de Anthony Galuzzo aux éditions Zone, de la découverte collection Zone, qui est un essai qui parle un peu de comment le consommateur a été créé au fil du temps dans une société de consommation. Donc on va dire à partir de 1800 à nos jours, et c'était formidable. Ça m'a surpris parce que je m'attendais pas du tout à ce que ce soit un essai plutôt historique, et en fait si, complètement, et c'était vraiment trop intéressant. Pareil, là on voit que j'ai annoté pas mal de pages, je me suis régalée, j'ai adoré chaque page de ce livre, j'ai appris beaucoup de choses. On va suivre aussi comment la femme a été installée sur l'espace public dans une optique marchande notamment, et comment sa consommation a aussi défini sa place. Enfin bref, formidable, j'ai extrêmement aimé cet essai, je vous le recommande. C'est assez dense, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup d'éléments, et je suis contente d'avoir eu certains bagages culturels et notamment qui m'ont été apportés par beaucoup de lectures faites à l'université. Du coup, ça m'a rendu, j'ai l'impression, qu'il y a parfois des éléments de compréhension plus simples. Mais je vous le recommande, il y a quand même pas mal d'explications, de notes, et qui vous permettent de le... C'est très pédagogue en fait, et je pense que ça pourrait, si ça vous intéresse, ça pourrait beaucoup vous plaire. Et ensuite, je crois que c'est tout bon, il me manque juste la meilleure lecture de l'année, et là c'est vraiment super difficile de choisir, je vous avoue. J'en ai trois, d'ailleurs il m'en manque une avec moi. J'en ai trois, et les trois sont des livres dont j'ai pas spécialement l'habitude de ce genre. On va faire les deux de théâtre d'abord, j'ai choisi trois livres. Cyrano de Bergerac, d'Edmond de Rostand. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai aimé cette lecture, et la fin, qu'est-ce que j'ai pleuré. Je connaissais absolument pas l'histoire de Cyrano de Bergerac, enfin je connaissais vite fait que c'était l'histoire d'un homme qui était notamment caractérisé par son nez proéminent, et qu'il était fou amoureux de Roxane. Voilà, c'était les seules choses que je savais. Et du coup, dans cette histoire, on va suivre Cyrano, qui donc est amoureux de Roxane. Il se trouve que Christian aussi, Christian et Roxane sont amoureux l'un de l'autre, et sauf que Christian, malgré sa grande beauté, a beaucoup de mal à s'exprimer, n'est pas très à l'aise avec les mots. Cyrano va lui prêter les siens, parce que lui a une verve incroyable, et sait vraiment très bien s'exprimer. Et va en jouer, voilà. Et on va suivre cette histoire, et je l'ai trouvée absolument formidable. J'ai beaucoup aimé, je suis contente de l'avoir découvert. Dans le même style, Eleutheria de Samuel Beckett, dans le même style, plutôt dans le même genre théâtral. Du nouveau du Beckett, vraiment j'ai un amour pour cet auteur. Eleutheria, c'est le premier livre que j'ai lu de janvier 2020, et ma première lecture de 2020. Et je dois dire qu'elle m'a extrêmement marquée, et a marqué mon année et mon moi interne, mais dans ma prise de réflexion, de décision. On va suivre l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Victor. Il s'appelle Victor. Qui décide de vivre seul. De vivre seul, loin de sa famille. Enfin, pas spécialement loin, mais il veut qu'on lui foute la paix. Et tous ses proches ne comprennent pas et lui reprochent cette liberté. La première partie est plus... obscure, c'est pas celle qui m'a le plus parlé, la deuxième beaucoup plus, notamment quand Victor leur jette en pleine figure pas mal de choses, pas toujours des plus simples à entendre, mais ô combien vraies, je trouve. Si vous aimez le théâtre et si vous aimez Beckett, encore une fois je vous le conseille, c'est pas son plus connu, on le trouve pas facilement, moi je l'avais pris en ligne du coup, on le trouve pas facilement, je veux dire, mis en avant dans les rayons, mais pourtant je crois que c'est mon préféré de l'auteur jusqu'à présent. Et le troisième livre que j'ai adoré, mais adoré, que je conseille assez facilement, c'est Bizarre Bizarre de Roald Dahl, qu'un ami m'a conseillé, qui est un recueil de nouvelles de l'auteur, mais plutôt adulte, Roald Dahl étant très connu pour ses œuvres jeunesse. Là, on est sur un roman adulte. Et dans Bizarre Bizarre, on va suivre plusieurs nouvelles qui vont nous laisser un sentiment doux, amer, tout du long, genre vraiment tout le temps. Et c'est pas le sentiment le plus agréable, mais
on retrouve ce sentiment de chute dans les nouvelles que je cherche et que j'aime beaucoup. Les nouvelles sont pas très longues, c'est vraiment grand maximum une dizaine de pages et elles sont toutes assez fascinantes où on va suivre des personnages qui font des, comment on appelle ça? Des conneries quoi, vraiment ils font des trucs pas toujours très malins ou alors font des rencontres un peu étranges qui vont les amener dans des situations bizarres et vraiment voilà, bizarre, le thème du livre, une de mes lectures que j'ai vraiment préférée cette année et auquel je repense souvent et je cherche un peu d'autres livres dans le même style. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura intéressé. Pour moi, elle me permet de revenir doucement et de faire une petite sélection, de revenir sur les livres qui m'ont marqué cette année. Il y a d'autres livres dont j'aimerais vous parler beaucoup puisque je fais de très chouettes lectures pour ce début de 2021. J'ai encore rien terminé. Si j'ai terminé un livre, si j'ai terminé un livre, j'ai hâte de vous en parler d'ailleurs. Mais là, je suis sur deux livres très intéressants, donc j'ai hâte de vous faire un book haul et un point lecture, mais aussi d'autres vidéos à venir pour le début d'année. J'espère que vous vous portez bien, que cette vidéo vous aura donné le plein d'idées et le plein d'envie de lecture. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Salut !